Tous les matins, Jean-Eudes utilise le Karcher, un geste devenu indispensable. C'est assez malheureux en fait, parce que je suis régisseur ici et je me retrouve à devoir nettoyer ça, ce qui n'est en effet pas mon travail. On a beaucoup d'acteurs différents qui viennent chaque jour ici utiliser le lieu. Donc c'est juste pour que ce soit plus agréable pour eux, que ça ne sente pas l'odeur d'urine et de caca, quoi. Ces incivilités sont commises par des personnes aux profils divers, parfois même devant les travailleurs du Tripostal, un projet d'occupation temporaire à côté de la gare du Midi. Moi, j'ai déjà surpris des gens en train de faire pipi, voire en train de faire la grosse commission. Et du coup, moi, j'essaie de les sensibiliser au fait que c'est pas possible de faire ça dans la rue, que c'est pas possible de faire ça sur les bâtiments dans lesquels les gens travaillent. Après, à leur décharge, qu'est-ce qui leur est offert comme solution ? Étant donné qu'il n'y a pas de toilettes gratuites dans la gare, que les toilettes payantes ne sont pas très visibles d'ailleurs, et que les commerçants alentour n'ont pas envie de recevoir tous les gens. Quelques urinoirs se trouvent autour de la gare, insuffisants et insalubres pour l'SBL, qui demande plus de toilettes publiques gratuites, mais ça coince. On a vite pris contact avec les pouvoirs publics, la région, la commune, la SNCB, et ça met un temps incroyable d'arriver à ce que quelque chose de concret soit mis en place, puisque les uns et les autres se rejettent un petit peu la balle en disant que ce n'est pas leur responsabilité. Le Tripostal attend toujours des réponses et espère que la situation se débloquera rapidement. Si rien ne bouge, des actions sont prévues.